Parfois je me dis la vie est dure, mais la vie est vraiment dure pour les gens en plus qui veulent faire voir tous les shmups de l'univers. Parce qu'il y a vraiment de quoi être contrarié, de quoi être énervé. Je vous en remets une petite louche? Allez. Bon, c'est pas une raison pour vous casser les oreilles, effectivement. Et donc, aujourd'hui, on va retourner en 1988. Oui, 1988, année bénite. Bénite, oui. Et où on avait le meilleur du shmup qui commençait à se mettre en place. Et ceci n'était pas sans manquer d'inspirer les différentes sociétés qui faisaient du développement. Et Taito, quand il a vu le succès de Irem l'année précédente avec son R-Type, il s'est dit apparemment, faire un jeu dur et invivable, c'est la grosse tendance. Nous aussi, on peut en faire un. Et devinez qui c'est qui a morflé? Nous, les joueurs. Donc aujourd'hui, je prends de grands risques. Oh oui, je prends d'énormes risques pour vous emmener voir ce titre de Taito de 1988 qui est Heavy Unit. Oui, il faut que j'arrête de faire les voix de métallo, j'y arrive pas bien. Bon, je tente, hein, je tente, on sait jamais. Mais je vais peut-être finir par me faire recruter. Heavy Unit, tu nous vois ta bouille déjà en flyer qu'on voit ce qui nous attend. Oula! Ah oui, non mais l'invasion méchante est méchante. Et on se demande si en fait le méchant c'est pas le gentil tellement il a l'air hargneux quoi. Enfin, c'est tout ce que je me souhaite parce qu'effectivement, de la hargne, il va m'en falloir pour aller dans ce titre. Goodbye Lazik. On est parti. Il faut juste que... Non, c'est bon. Faut juste... que je vérifie le son du jeu qui doit être un petit peu fort. On va se laisser guider par la démo pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Moi je pense que ça va être une sauce asiatique. Donc je vous ai pas menti hein. Toute ressemblance avec un certain R-Type serait purement faite exprès. On a un vaisseau, un scrolling horizontal, des ennemis à profusion. Étrangement, on n'a pas de bouclier. Alors du coup, pour compenser, on a un tir qui peut être élargi. Et on a le scrolling qui se balade un petit peu en haut et en bas aussi, ça c'est la différence. Maintenant, pour le reste, c'est un poil kiff-kiff quand même. Je sens que je vais en baver dans ce titre. Vous connaissez mon dicton déjà? Oui, les shmups horizontaux, c'est que de la mémoire. Bleh. Je vais pas m'entendre avec ce titre, ça va être dramatique. Bon. On va tenter, mais j'ai aucune conviction. Oui, un max de crédit. La musique est bien. Alors, ma recommandation pour les gens qui voudraient s'aventurer dans ce titre, trouvez-vous un pad que vous pouvez poser, soit sur le bureau, soit sur vos genoux. Mais sérieux, écoutez mon conseil. Parce que là, vous n'avez pas le retour vidéo. Mais le beau pad Xbox dont je me sers depuis toujours pour vous faire voir tous ces shmups, oui, vous connaissez la technique, il est posé sur mon genou. Comme ça, je peux tapoter d'autant plus vite le. Oh purée, le dragon. Recule toi, recule, recule. Tes potes aussi, recule. Oh ! Oui, je sais qu'il faut les faire reculer, il y a une façon de passer, il n'y en a pas deux, quoi. Quand je vous dis que c'est un jeu de mémoire, c'est pas ma médisance légendaire qui fait encore des dégâts, quoi. C'est The Reality. Regardez-moi ces popcorn en tête de mort. Et donc je disais, oui, la technique du pat sur le genou, hein, ça marche pas mal. Ça me permet un gain de, on va dire, 20-30% en fréquence de tir. Ce qui est franchement nécessaire dans ce titre. On y va, recule. L'autre, bouge. Faut que je remonte tout en haut parce que sinon je vais me faire défoncer. Attends. Ah! C'est la première fois que je vais jusqu'ici, les amis. Je vous le dis tout de suite. J'ai pas été jusque-là quand j'ai essayé le jeu. J'ai pas de super bombe, j'ai rien, je suis à poil. Je suis tel l'enfant qui vient de naître, innocent et... Je me casse. C'est quoi ça? Ça va me partir dessus, c'est obligé. Oh putain, mais non! En fait, il faut marteler le tir à une vitesse qui est complètement indécente. Descendre.
putain, ça y est, un bonus. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Je veux pas, non, je reste pas, j'y vais. Non, j'ai une course à faire, je suis désolé. C'est quoi ces trucs qui me dégueulent des... Je vous avais dit que ce serait pas facile aujourd'hui. Je vous avais prévenu. Et je vous rappelle que je suis obligé de vous faire voir 5 minutes, mais pas obligatoirement plus. Parce que je souffre, là. Je souffre beaucoup. J'espère que vous entendez le pad en retour. Parce que là, c'est plus de la frénésie. C'est une maladie. Je me casse la gueule sur le bonus. Où on repart, les gars? Pas le temps de s'essuyer les larmes. La souffrance, c'est un full-time job. Oui, un full-time job, la souffrance. Jamais il crève, ce truc. Casse-toi. Passe en dessous, passe au-dessus, en fait. Feinte-le, fais comme au foot. Oh, peu cher. Là, tu passes, tu attends, tu te barres. Ce jeu est fait pour se barrer sans arrêt. Ah, comment je vais passer dessous, moi? C'est quoi? Quand on arrive dans le jeu, qu'on ne le connaît pas, c'est une séance de stress. Ça doit s'entendre, quoi. Oh, putain de toi. Alors, il faudrait que je récupère mon vieux papy que j'avais kidnappé dans un hospice qui me servait d'auto-fire, là, parce que je commence à avoir des crampes. Je suis très très mal installé. J'ai pas de bombe, j'ai rien. J'ai rien par mes yeux pour pleurer. Non, never. Don't do this. Hop! Ta mémé! Oh putain, ce jeu, je le vomis déjà. Sérieusement, j'ai mal au poignet. Tennis elbow! Non, je ne ferai pas le coup de demander un saut à maman et foutez-lui la paix. Jamais ça crève, ce truc. Une pause, je veux une pause, je suis pas bien. Heavy Unit, tu vas rester dans ma mémoire. C'est ma première partie. Et finalement, Last Resort, c'était vachement fastoche en comparé. C'est indestructible. Pourquoi je me suis fracassé dedans? Parce que je tiens pas la manette exactement droite. C'est... On y va. Tire pas dedans, ça sert à rien. Piu. On va tirer comme ça, c'est plus mignon. Si, ça les empêche de bouger plus loin. Alors, il y a une stratégie. Voilà, c'est... Mais laisser passer, c'est pas mal. Live and let die. Ouh, c'est la guerre. C'est reparti. Ce jeu va me foutre des suées. Il fait déjà 34 degrés dehors. Sous les aisselles, j'ai un torrent. Oui, je n'exagère pas. Ce sont les chutes du Niagara, quoi. Oh, je vous passe les images, c'est catastrophique. Tout glisse. Le pad glisse. Je glisse. Faut plus que je parle. Ça sert à rien. De toute façon, c'est foutu, là. Les gens ont bien compris que ça allait que mal se passer dans ce putain de titre. Je passe à travers ce truc en bois, là? Ouais, non. Je sais pas, j'ai pris une boulette. Ce jeu me terrorise. Je vais jeter le pad. Je repars où? Ah, tu as peur avec mon super tir que je n'ai pas, hein? Je vais aller tout en haut, ils me trouveront jamais, les gars. Et voilà. Ah là, je suis mieux là. Il va y avoir une blague avec ce truc. Une super blague, je le sens. C'est prévu pour blaguer, ce jeu, de toute façon. Le bobo, le nunus, je veux... Bonus. Désolé pour la saturation dans le micro, ça a dû saturer, j'ai pas le temps d'avoir les retours. Combien de temps on a fait dans l'état où je suis? Faut que j'arrête, sinon il va se passer. Vous voulez qu'on continue? C'est vraiment cruel. Bonus. Cool, je suis pas reparti trop en arrière, du coup. On a peut-être un petit léger soupçon d'espoir de voir le boss final. C'est quoi ça? Non, mais j'en veux pas. Ne me suis pas. Mais il manque un bouton. C'est pas possible qu'on fasse tout le jeu avec un piou-piou-piou.
Oui, le piou piou piou, l'arme de base, vous la connaissez tous. Oh, la musique. La musique, elle est pas là pour vous détendre. Oh, oh bah oui, bah, forcément, quoi. Je voudrais bien le numéro de téléphone personnel du président de Taito à l'époque. Pour lui dire 2-3 trucs. Bon, oh, rien de grave, rien de grave. Ça va être... Je vais juste prendre le fil de la manette, l'entourer délicatement autour de son cou, et puis serrer d'un coup sec. Oh oui! Tu m'entends, monsieur le président de Taito en 1988? Tu m'entends? Je vais avoir ton adresse, je vais venir chez toi. Je vais faire ça sur ton chien aussi. Oh putain, il m'a encore quiché, lui. Alors je vais essayer de passer par-dessus. J'ai vraiment mal au poignet. Ça me rappelle d'autres activités qui... Bah oui, vous savez qu'on va curer des casseroles. Et forcément, au bout d'un moment, ça fatigue s'il y en a beaucoup. Bon, je me barre, lui. Il est pas drôle. Je chope les trucs rouges. Je me rebarre là-bas pour lui faire... Eh, hey, va là-bas, mec. Va là-bas. Là-bas, tu seras bien mieux. Et maintenant, je reste tout en haut. I never move from en haut. En haut, is the new... Oh, ça passait presque, gars. En haut, is the new... J'y arriverai jamais. Donc les amis, vous voyez ce qui vous attend dans ce jeu. N'y allez pas. Enfin si, allez-y. Mais ça revient à... vider 3 boîtes de punaises sur votre chaise secrétaire et vous asseoir dessus en prenant un air très détendu. Ça pique. Ça pique. Non, c'est fini. On s'en va. 10 minutes de ce jeu m'ont mis dans un état assez rare. Je respire. Heavy Unit. C'était un bon jeu de 1988. Mais monter le challenge à ce niveau-là, faut pas. Je vais me remettre un coup de musique. Et on se quitte avec les deux streams habituels, les deux playlists, et puis le bouton d'abonnement. Faut que je me repose.